L'annonce a été faite samedi soir par la commission électorale, NEC. La NEC explique qu'elle a besoin de plus de temps pour former et déployer ses agents mais aussi distribuer le matériel électoral. C'est la tâche à laquelle s'attelle la commission dans l'immédiat avant de convoquer les électeurs pour le deuxième tour qui opposera l'ancien footballeur George Weah au vice-président Joseph Boakai. Jeudi, la Cour suprême avait appelé la NEC à organiser le scrutin, après avoir invalidé les plaintes de fraude déposées par trois des candidats perdants lors du premier tour.